Celui qu'on appelle Roi 12-12 est parti de rien pour se hisser à la tête des meilleurs parcs automobiles du Mali. Sidi Mouktar Dembélé, plus connu sous le nom de Roi 12-12, ou Bassidi, suscite aujourd'hui un immense espoir chez les jeunes maliens à travers ses activités économiques, son apport dans l'accompagnement de la jeunesse, mais surtout pour son engagement pour l'essor économique du Mali. Dans cette vidéo, nous allons voir son parcours exceptionnel. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Natif de Markela, un arrondissement de la région de Ségou, Sidi Mouktar Dembélé est issu d'une famille de commerçants. Il a appris le commerce tout petit auprès de sa mère, qui était vendeuse au marché de Markela, avant de venir s'installer définitivement à Bamako, au quartier Banakabougou, où son père également exerçait le métier de commerçant. Il s'est très vite engagé pour son développement personnel et celui de ses proches. Élève brillant à l'époque, Bassidi se lance dans le commerce. À 12 ans, il revend l'essence dans des bouteilles au marché de Banakabougou. Courageux et intelligent, quelques années plus tard, Bassidi rejoint l'aéroport international du président Modibo Keïta avec du matériel pour le cirage de chaussures. Il devient ensuite monteur de vélo au grand marché de Bamako. Plus tard, Sidi Mouktar s'installe au marché d'Abanani et met purement et simplement une croix sur l'école. Il se lance dans le commerce en détail des pièces de moto, il fera par la suite la vente de motos au marché de son quartier à Bamako. Ce commerce le conduit de Markela à Ségou, ensuite à Kéhi, puis en Côte d'Ivoire, et Lomé en République de Togo. Notre prince, futur roi, s'est définitivement tourné vers le commerce de véhicules de haut de gamme, à partir des années 2003. Aujourd'hui promoteur du parking royal à Niamakoro cité UNICEF, où on peut compter plus de 300 véhicules de toutes marques, avec 20 emplois permanents, il possède également un parking VIP à Niamana, plus de 30 véhicules de marque, dont les prix varient entre 100 millions et 250 millions de francs CFA. Il est aussi propriétaire d'un garage moderne à Banakabougou, en face de l'établissement Ecovi, où travaillent plus de 60 personnes. Il est également propriétaire de plusieurs immeubles avec les célèbres marques Roi 12-12 Niamana, cité UNICEF, et Banakabougou. Roi 12-12 c'est également un service de nettoyage et de parking à Paris, où travaillent plusieurs de nos compatriotes, afin de bien vivre des conditions de confort de travail mises à leur disposition par le jeune opérateur économique. En somme, il est aujourd'hui propriétaire de 3 sociétés au Mali, dont une société automobile, une société de fourniture bureautique et la société Dembélé Construction. Il est aussi propriétaire de 2 sociétés et beaucoup d'autres maisons en France. Il est également actionnaire dans plusieurs sociétés dans la sous-région. Je suis un peu plus
Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo, si elle vous a plu. Donnez votre avis dans les commentaires, et abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos.